Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans la foulée, je fais une deuxième petite vidéo. Parce que bon, je l'avais déjà filmé une première fois. C'était une vidéo sur la Badjit. Sauf que ben, comme j'avais plus internet, je ne pouvais pas la poster. Et puis Audrey, je vous mettrai son adresse en barre d'infos. A filmé donc ce week-end une vidéo avec la Badjit. Donc je me suis dit ça sert à rien que je la poste parce qu'en fait tout est dit dans sa vidéo qu'elle présente très très bien. Et moi en fait j'avais juste envie de vous montrer ce que j'ai réalisé avec cette machine parce que je me suis bien amusée. Donc j'ai créé des petits badges comme ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est sur fond noir avec une encre blanche Prima. Voilà. Donc j'ai pas mis les attaches derrière. J'ai fait celui-ci. Scrappé avec passion. Donc ça faisait un bon florilège. En fait, on peut vraiment s'amuser avec cette machine parce qu'il y a des trucs bien 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 à faire. J'ai fait celui-ci avec une chute de papier que j'avais. Donc petite montgolfière. Voilà, j'ai fait également avec une moustache et un fond un peu chevron. Voilà, donc ça c'est une découpe que j'ai présentée dans une des dernières vidéos avec un appareil photo. Donc pareil avec un tampon. Petit tampon Kezi Art. J'ai fait celui-ci. Un autre appareil photo, mais sur fond beige. J'adore. Tip top. Et j'ai fait les deux derniers. Non, les trois derniers. Donc une étoile sur fond noir. Un petit tampon Hello. Et pour Noël, le chiffre 25. Voilà. Et donc ça j'adore, pardon pour le bruit, j'adore parce que on peut faire des super embellissements pour les pages ou les mini. Et notamment, bah là j'avais fait une page. Là j'en ai utilisé un. Donc là, bon, il y a un petit souci avec la feuille transparente, donc j'ai dû l'enlever. Mais bon, ma foi, ça donne un peu de texture hein, et je trouve que ça rend super bien. Je vous montre. Ça rend super bien sur une page. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est moi là. C'était moi. Donc voilà, puis là, bah, les derniers tampons. Ceux-là, je les adore. De Technique Tuesday. Qu'on retrouve également en bas. Enfin là, je dévie complètement du sujet. Le sujet de base, c'était ça. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous invite à aller voir donc, la vidéo d'Audrey vous présentant cette petite machine. Moi, en tout cas, je suis très contente. Et en plus de ça, je suis allée chez Leclerc. Et j'ai trouvé les recharges qui normalement sont à 11 euros, je crois, en magasin de jouets. Là, j'ai trouvé les recharges. J'avais pris 3, elles étaient à 8 euros. J'avais 3, 6, 9, 90 badges à faire. Donc, j'ai de quoi faire. En plus, avec les petites images qu'on retrouve sur le côté. Donc là, les deux là, c'est animaux. Et ça, bon, c'est plus kawaii en fait, celui-ci. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais bien m'éclater avec ça. Et puis à l'occasion, bah, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai réalisé. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.